Le tout foot. Paul Fatia Toumkara. Le privilège, le plaisir et l'immense joie, mesdames et messieurs, de vous retrouver au compte de cette nouvelle représentation de votre émission Tout Foot. Vous le savez, tous les lundis, Tout Foot, nous vous aidons à mieux comprendre la quintessence de l'actualité ici. Nous sortons carrément du décor habituel, nous quittons les stades, nous nous transportons au domicile privé de Guy-Michel Landel, le milieu relayeur par défaut du Sili National de Guinée, ancien joueur du AFI FC, lui qui évolue en Turquie en deuxième division. Avec nous, nous allons revenir sur son passage en Turquie de la D1 pour la D2. Est-ce une régression ou une progression? Pourquoi reste-t-il en Turquie après 8 ans? Est-ce qu'il n'est pas temps d'aller découvrir là où l'herbe est beaucoup plus verte? Et quel est son avenir avec le Sili National de Guinée? Espère-t-il retrouver le prochain regroupement de l'équipe nationale A en vue de la prochaine phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022 à laquelle la Guinée est qualifiée? Avec lui, nous allons revenir sur toutes ces actualités, mesdames et messieurs, avec notre invité exceptionnel, Guy-Michel Landel. Suivez-nous et nous nous transportons. Nous voici à présent au domicile privé de Guy-Michel Landel, international guinéen, milieu du Sili National de Guinée, celui qui a marqué son tout premier but en équipe première du Sili en 2013. Il a également récidivé, il a remis le couvert, c'était face au Mali en 2014. Il a traversé un long moment, un gros vide au sein de cette équipe du Sili National. Il est très nostalgique de cette belle ambiance du Sili National qui lui manque énormément. Il garde son envie folle et bouillante dans un coin de sa tête de retrouver ses prochains coéquipiers. Pourquoi pas au prochain regroupement du Sili National au compte de la campagne éliminatoire pour la Coupe du Monde 2022 et à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022. Avec nous, nous allons ressasser toutes ces actualités. Pourquoi reste-t-il en Turquie pendant 8 ans, malgré des sollicitations très alléchantes qui lui sont faites? Avec nous, nous allons aborder tous ces sujets. Guy-Michel Landel nous reçoit à son domicile privé. Suivez-nous. Et merci de nous recevoir après dimanche dans Foot Express, lundi dans Tout Foot. Et aujourd'hui, on fait une immersion avec vous et avec toute la famille. On va papa. Prendre plaisir, bien sûr. Ouais. On va se compagnie. C'est un ami d'enfance et tout. Ok. Oh, dis-moi que tu as dit. C'est quoi, Magra? C'est le pot d'un ami aussi et tout. Ok, et ça les va bien. Sont en haut et tout. D'accord. Moi, c'est Paul Fatia Toumkara. Ouais. Il était gros, mais maintenant. Babi, ok. Ah, là, je vais me régaler avec toi. D'accord. Avant de commencer l'émission, comme ça. Voilà, on est à présent au domicile privé de Guy-Michel Landel, international guinéen. Avant, disons, d'entrer dans le vif du sujet, on va passer à cette petite partie de plaisir, sans doute qui constitue son passe-temps. À la maison, on va jouer à ce qu'on appelle affectueusement au Babi. Voilà, on y jouait régulièrement quand on était enfant. Il y joue également. Hein. Voilà. J'espère que je n'ai pas perdu la main. C'est sans doute cette petite partie de plaisir qui va lever l'encre de notre prochaine interview que je vais réaliser avec notre invité de prestige dans cette émission Tout Foot. Comme ça, on commence. T'es prêt? Ouais, prêt. C'est bon? Ouais, prêt. Je vais être petit milieu là. Oh là là! Ah. Oh non, ça c'est juste. Pour t'accueillir, en fait. C'est pour t'accueillir. D'accord. Oh! Bon.
Yannette, enlève ta main, enlève ta main. Enlève ta main. Au moins un but d'honneur. Il faut que. Hein? Ah! Voilà. Voilà. Bon, j'ai eu. Tu transpires déjà, hein? Ouais, déjà, j'ai eu quelques sueurs chaudes. Mais voilà, c'était une partie de plaisir. À présent, on va réaliser cette interview. Je vous le disais, hein, on va revenir sur sa carrière, sur le vide qu'il a traversé en équipe nationale, sur ses performances, son avenir avec le Chili. Il dit qu'il est performant et qu'il mérite bien d'être appelé en sélection. Oui, ce sont les performances en club qui doivent être retranscrites en sélection nationale. Son avenir avec le Chili, pourquoi reste-t-il en Turquie pendant 8 ans alors qu'il a bien la chance et la possibilité d'aller monnayer son talent sous d'autres cieux? On reviendra sur toutes ces actualités dans cette interview, interview décontractée, mesdames et messieurs, qu'on vous propose maintenant et tout de suite. Lundi 17 mai 2021, quel ravissement de vous retrouver. Amis téléspectateurs, vous téléspectateurs de prestige et de valeur de la télé d'une autre planète, Espace TV, merci de votre fidélité à nos différents programmes. Votre fidélité nous honore sans cesse, soyez-en convaincus. Vous êtes dans votre émission Tout Foot, vous le savez, tous les lundis ici, on passe au peigne fin, l'actualité du football. Ici, nous sortons carrément du cadre habituel, du décor habituel. Nous nous transportons au domicile privé de Guy-Michel Landel, milieu relayeur du Chili national de Guinée, international guinéen. Avec lui, nous allons réaliser une immersion. Oui, sa vie de famille. Comment entretient-il ses relations avec sa famille, papa, maman, sa femme, ses enfants? Quel est son passe-temps, son avenir avec le Chili? Lui qui a passé un gros vide avec l'équipe nationale de Guinée, ses performances en club, son avenir avec l'équipe nationale dirigée par Didier Six. Mesdames et messieurs, on passe en revue toutes ces actualités avec notre invité de prestige, confortablement installé, lui qui a bien voulu nous offrir son hospitalité en ce lundi soir à son domicile. Bonsoir Guy. Bonsoir. Merci de nous avoir reçus. Un plaisir pour moi. Guy Michel à Conakry, forcément pour se ressourcer auprès de la famille. Ouais, vu que ça fait presque 2 ans que je ne suis pas revenu en Guinée, donc je suis venu un peu me ressourcer avec la famille, ouais. Passer un peu plus de temps et tout. Ouais. Parce qu'on dit que le footballeur n'a pas de vie de famille. Ouais, ça c'est sûr, hein, parce que la plupart du temps, les vacances, c'est quasi un mois et demi. Donc, et le plus souvent, après, ça dépend. Tu vois pas ta famille tout le temps. Ouais. Mais pendant les vacances, les petits congés, voilà, moi j'en profite et tout. J'en profite au max pour voir ma famille, si c'est ma mère ou ma femme ou venir en Guinée et tout. En tout cas, j'en profite au max parce qu'on n'a pas, pas assez de temps pour les voir tout le temps. Bien. On n'a pas assez de temps. À présent, on va ressasser ton parcours. Vous êtes parti du AFIA pour le vieux continent européen et présentement vous évoluez en Turquie. Comment tout cela s'est passé dans votre vie, du AFIA en Europe? Un début, c'est grâce à mon grand, que son âme repose en paix, mon maître Silas Socrates, qui m'a vu dans un club informel où je jouais avec Zambrota, c'est mon club, c'est mon coach formateur. En fait. D'accord. Donc c'est grâce à lui, grâce à un tournoi, un match que j'ai joué du moins, c'est. Mm-hmm. Au bord de la mer et tout, j'ai été repéré là-bas et Sokra m'a vu. Quelle mer ça? Au bord de la mer, l'Andrea, comme on dit, l'Andrea Bade. L'Andrea. Ouais, donc okay. Voilà, c'est là-bas où tout a commencé. Après, mon grand, que son âme repose en paix, Sokra, il m'a vu, il m'a aimé, il m'a pris, là. Il est venu voir mon père et tout pour demander ma mère au fait. Ouais. J'ai grandi avec lui et après, il a eu le club AFIA comme coach. Après, moi, il m'a fait jouer à AFIA, mais j'étais petit, mais il a cru en moi et tout. Après, j'ai fait une belle saison. Après, il y a eu le tournoi de détection qui s'est passé à Mor Djabi, à la mission. Mm-hmm. Je suis parti, j'ai participé à ce match. J'ai fait un match et après ça, j'ai été supervisé par des clubs. Mm-hmm. Avec Saint-Étienne et Toulouse et Le Mans. Mm-hmm. Après, c'est comme ça que je me suis retrouvé au Mans. J'ai fait quelques mois stagiaire là-bas, 2 mois. Après, je suis revenu en Guinée, après j'ai signé stagiaire, après voilà. Stagiaire, après j'ai signé pro. Et après Le Mans a coulé, je suis parti. C'est ce qui a fait que je me suis retrouvé en Turquie. En Turquie. Ouais. Et depuis, vous êtes en Turquie.
beaucoup disent que vous n'avez plus envie de quitter la Turquie. Bah, et que vous ne voulez pas quitter. Bah, c'est ce que les gens pensent. Bah, déjà, pour dire que la Turquie, je me sens bien là-bas. Déjà, tu te sens... Vous y êtes depuis combien de temps? Ça fait 8 ans, là, je pense. Ouais, ça fait 8 ans. Donc, je me suis bien adapté, au fait. Je me suis bien intégré. Et je pense que c'est pas donné à tout le monde de s'adapter dans un pays qui n'est pas la nôtre et tout. Et qui... Franchement, je me sens comme si j'étais chez moi. Ouais. Ouais, je m'entends super bien et tout. L'adaptation, ça a été super bien. Donc, voilà, j'aime la Turquie. Pour le moment, je suis là-bas. Après, on ne sait pas, tu sais, le milieu du foot, tout peut arriver. Mais pour le moment, je me sens bien. On verra ce qui peut se passer. Mais en tout moment, je m'épanouis très, très bien. Ouais. Ma famille aussi en profite au max. Vous avez commencé en première division et aujourd'hui, vous évoluez en D2. Si on vous demandait, est-ce que ceci n'est pas une régression? Non, jamais. Peut-être c'est ce que les gens pensent. Ouais, bien sûr, parce que voilà, les gens... Il dit, ouais, il a joué en Super League, il a joué un peu mes divisions. On regarde ton potentiel, on aimerait te ouais, voir. Ouais, ça c'est sûr. Mais après, il y a beaucoup d'aspects dans le foot que les gens ne peuvent pas savoir et tout. Tu peux voir un joueur là. Il y a plein d'exemples, ils sont là. Et au lieu d'aller en deuxième, tu ne les vois plus, ils s'effacent. Tu vois, mais après, moi, je n'ai pas un regret. Parce que voilà, c'est mon destin, je suis mon destin. Ouais. Si ça dépendrait que de moi, je pense que même là, je ne serais pas là. Je souhaiterais mieux, mais bon. Je remercie Dieu, tout ce que j'ai, je remercie Dieu d'avoir tout ce que j'ai et tout. Alors, deux, il y a d'autres qui n'ont pas de club, il y a ouais. D'autres qui sont là. Ils jouent 2 ans dans leur carrière, après c'est fini. Moi, ça va, Dieu merci. Depuis des années, quand même, je joue. Et j'enchaîne des saisons. Je dis, c'est une bénédiction, je remercie Dieu. Ouais. Après, on a toujours envie d'aller en haut, mais bon, après, on se bat pour. Hein. C'est le destin, il n'y a pas de concurrence dans le destin. Bien. Alors, vous nous livrez une confidence il y a. Une à deux semaines dans notre émission, bon, c'était un off à la pause de l'émission Foot Express du dimanche surpassé, la radio Espace et Espace TV. Moi, je vous appelle milieu relayeur par défaut parce que ce n'est pas le poste par lequel vous avez commencé. Ouais. Vous disiez que vous étiez une flèche qui évoluait ouais, sur le côté. Je vous rappelle quand je jouais en Guinée, même au Afia, je jouais comme ailier. Ouais, j'étais un peu rapide, j'étais rapide au fait. Même là, mais j'étais rapide en tant qu'ailier. Après, le fait que je partais en Europe, voilà, on m'a un peu repositionné. Peut-être les coachs que j'ai eu à rencontrer ont changé mon profil. Peut-être ils ont vu que c'est dans ça que je peux rapporter plus. Tu sais, c'est comme ça, des fois, tu peux te retrouver attaquant et tu finis ailier. C'est en fonction des coachs qui te voient, qui sentent que tu peux leur apporter dans ce sens et tout. Voilà, c'est comme ça que moi, j'ai un peu reculé. Je devenais un milieu, des fois même si c'est relais et tout. Mais bon, j'ai su m'adapter dans ce registre et tout. Et je prends plaisir aussi en jouant dans ce poste. Et sur le côté, vous n'avez pas perdu le pied si on vous aligne? Ouais, même ça m'arrive aussi dans le championnat de jouer sur le côté. Ouais, ouais, souvent les coachs qui me connaissaient du moins avant et tout, ils me font, si je les rencontre dans le club, ils me font jouer des fois. Quand il y a besoin d'aider l'équipe, quoi, en fait. Ouais, bien. Vous êtes passeur, vous êtes milieu du terrain, vous êtes également buteur puisqu'avec le Sili National, vous avez inscrit votre premier but, c'était en 2013 face au Zimbabwe, si mes souvenirs sont exacts. Vous avez remis le couvert face au Mali, c'était lors de la campagne éliminatoire pour la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, revenez sur les premières émotions, les premières sensations que vous avez éprouvées, non seulement pour avoir retrouvé le Sili National de Guinée et pour avoir marqué. Déjà, représenter son pays, c'est un rêve de tout le monde. Parce que je me rappelle quand on était jeunes et tout, on allait regarder les matchs au stade et tout, les pros. J'espère que vous n'escaladez pas les murs. Bah si, hein, qui n'a pas fait ça? En plus, dans mon quartier, ouais, bien sûr, il n'y a pas ce qu'on n'a pas fait. Ouais. Voilà, c'était un rêve et tout. Le rêve, c'était juste devenir pro parce que voilà, on ne savait pas trop, on voulait être pro et voir l'équipe nationale jouer. Et toi aussi, tu es là. Tu rêvais, en fait, tu as réalisé ton rêve, au fait, rêve, et tout. Ouais. C'est une fierté, c'est un truc qui ne peut pas s'expliquer. C'est une joie, c'est immense. Ouais, parce que tu représentes ta famille, tes amis, tes potes, ceux qui t'aiment et tout, ceux qui ont contribué à ta vie et tout ça. Franchement, c'est un truc que tu ne peux pas expliquer, quoi. Tu vois. Après, tu vois tes fans club avec bien des sûr, pancartes. Bien sûr, c'est ça. Ça fait plaisir. Franchement, c'est un truc exceptionnel, franchement, Je ne peux pas le décrire, en fait. Ouais. Ça ne peut pas s'expliquer. Ouais. C'est un truc qu'il faut le vivre. Tout. Ouais. Vous venez et vous marquez. Ouais, et je viens et je marque. Ouais. C'est déjà encore bien. Waouh! Tu as l'impression que tu es seul en Guinée. Quoi. Les messages viennent, les tests, tous les gens. Ouais. Tu vois, mais c'est un plaisir. Franchement, ça fait.
ça fait la fierté de ta famille et ça te motive aussi parce que tu es récompensé par le travail que tu fais. Parce que la sélection, c'est ça, c'est le bonus de la saison que tu fais et tout, c'est une récompense et tout. Après, il y a quelques critères, mais bon, après moi, j'ai été récompensé par la saison que j'ai fait, par tout ce que j'ai fait depuis que je suis en Guinée et parti en Europe et tout. Donc voilà, c'est bien qu'en fait, c'est bien, c'est juste être heureux et tout et profiter. À vous entendre parler, on croit savoir que vous êtes nostalgique de toutes ces émotions. Bien sûr, et que vous aviez envie de retrouver. Bien sûr, en tant que, représenter son pays, c'est déjà autre chose. C'est pas pour l'argent ou quoi que ce soit, c'est une fierté. Il y a la famille, tu es né ici, tu as grandi ici et tout, il y a tes amis. C'est une fierté, franchement, c'est une fierté. Et tu joues pour la Guinée, voilà, tu joues pour ton pays, tu représentes parce que c'est pas donné à tout le monde de représenter son pays. Ah, c'est une fierté au fait. Alors, vous avez passé un moment vide en équipe première. Oui, vide parce que ça fait beaucoup de regroupements au cours desquels on se passe de vos services. Vous n'étiez pas déçu quand même. Déçu. Quand on est professionnel, on s'y attend. Ouais. Quand on ne vous appelle pas. Quand tu es professionnel, tu choisis ce métier, il faut t'attendre à tout. Okay. Après, tu ne mets pas la faute aux gens. Hein. Voilà, ce qui arrive arrivera, ce qui n'arrive pas n'arrivera pas. Voilà, donc, des fois tu te dis, Tu as ma place, j'ai ma place. Bien sûr, en tant que tu joues au foot, tu n'as pas arrêté ta carrière. Tu joues, tu es dans un club pro et tu joues des matchs, tu t'attends à une sélection et tout. Après, si ça n'arrive pas, c'est pas la fin du monde. Tu continues à prendre plaisir dans ton club et tout. Si tu ne peux pas représenter ton pays dans ton pays, tu continues à le représenter en dehors de ton pays et tout. Et tu prends du plaisir. Après, tu attendras le prochain. Si ça ne vient pas, au fur et à mesure, tu feras ça, c'est tout. Et le prochain, ça sera vraisemblablement à la fin de cette année, puisqu'il y a la campagne éliminatoire pour la Coupe du Monde Qatar 2022 qui va être officiellement lancée. Et il y a également la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022, à laquelle d'ailleurs le Sili National est d'office qualifié. Peut-on espérer revoir Guy-Michel Landel à un de ses prochains regroupements? Du moment que je joue, je n'ai pas encore pris ma retraite, bien sûr. Je me bats pour ça, je joue, voilà. Mais c'est un rêve quand même. Bien sûr, c'est ce que je dis. Le rêve là, ça, tu ne peux pas l'enlever. Parce que c'est ton pays et tout, tu as grandi ici et tout. Ça changera pas, le rêve là ne changera pas. Du moment que j'ai pas pris ma retraite, je m'estime encore sélectionnable et tout. Donc voilà, je continue là-dessus. Bien. Alors, on va parler à présent de ta relation avec tes coéquipiers en sélection des Guinéens également, compatriotes guinéens qui évoluent également en Turquie. Vous avez de bons rapports avec tes coéquipiers en équipe nationale du Chili. Ouais. Moi, je suis d'accord avec tout le monde. Hein. Après, peut-être on ne se voit pas tout le temps et tout, mais voilà, on se parle, on s'échange sur les réseaux sociaux, tout le monde est là-dessus, voilà, on se parle. Il y a d'autres, ceux qui sont en Turquie, on se rencontre, on joue contre eux, je joue contre Sajo des fois. Ouais. Je le vois, c'est un plaisir, je le chamaille, c'est bien. De toute façon, moi, je suis en contact avec tout le monde. Même si ce n'est pas contact direct ou tout le temps et tout, mais si on se voit, on se parle. Je suis bien avec tout le monde, en fait. DJ Six, depuis que vous êtes là, vous avez parlé? Vous avez appelé? Non, je suis appelé. Je suis venu pour faire les vacances. Appeler le coach, je ne sais pas, j'ai pas besoin d'appeler le coach, en fait. Après, si c'est pour on se voit, c'est pour saluer, je peux le saluer. Mais je suis venu en vacances, je ne suis pas venu pour appeler qui que ce soit. La tradition voudrait, quand on vient en vacances ou en congé, qu'on se rende à la Fegifoot, qu'on salue les responsables de la fédération. Ouais, je salue, je peux saluer. Je peux saluer dans un contexte où c'est la fédération, je respecte et tout, je peux saluer. Mais là, je suis venu en vacances pour le moment et tout. Je peux saluer, mais après, il y a certaines choses, moi, je ne suis pas habitué à le faire. Tu vois, il y a certaines choses, je ne suis pas habitué, je n'ai pas grandi comme ça et tout. Donc voilà. Après, je peux aller chez les gens ou si on m'invite, si quelqu'un m'invite, j'irai. Mais aller comme ça et tout, voir chez les gens, en plus la sélection, tu vois. Je connais la Guinée, comment ça se passe et tout, les gens, entre guillemets. Tu vois, tout ce qui est une sélection et tout, et fédération. Parce que les gens, ils voient différemment. Moi, si je dois, comme par exemple, si je vais à la Fédé, saluer un truc comme ça et tout, les gens, après ils vont mettre les réseaux foutus, il est venu. Ok, j'ai pas besoin d'aller faire ça, mais je le fais par patriotique et tout, parce que c'est ma fédération, quand il est là, même si je suis pas appelé. Ouais. Mais après, les gens vont dire, il fait ça, mais je suis pas habitué à ça. Si je dois venir à la sélection, c'est mon pied. Parce que depuis que j'ai joué, c'est mon pied qui fait que je suis là. Donc, si je dois revenir, c'est mon pied. C'est pas autre chose. Ça, il faut être sûr. Ma famille, tout le monde,
ils sont calés là-dessus, tu vois. Bien. Donc voilà. Ouais, pourquoi pas? Les saluer, ouais, peut-être. Ouais, c'est possible. Ouais. Parce qu'on est dans le même pays pour vous dire bonjour. Ouais, c'est possible. Donc c'est pas exclu. C'est possible, ouais, c'est possible, ouais. C'est possible. Tout est possible dans la vie. On va parler du rêve. Le rêve, ton rêve fou dans ta carrière, c'est quoi? C'est de remporter une Coupe d'Afrique avec mon pays. Wow. Parce qu'on ne l'a jamais remporté. Je vais vous donner des noms et en deux, trois mots, vous allez les décrire, vous allez les définir, vous allez dire ce que vous pensiez de ces personnes-là. Alors, on va commencer par maman. Ma maman? Il n'y a pas de mots pour elle. C'est ouf. C'est la personne que j'aime la plus au monde. Ma mère, c'est... je ne sais pas comment vous expliquer, c'est... Ouais. Je sais pas, après tout, dans toute la vie où je vis, là, après Dieu, c'est, je dirais, c'est... Franchement, c'est ma maman. D'accord. Grave, grave. Papa? Bah, après maman, c'est mon... Après ma maman, c'est mon papa aussi. Hein. Ton meilleur ami? Ouais, mon pote, mon supporter, mon premier fan et tout. Celui qui est là, celui qui m'a toujours soutenu depuis que j'étais là et tout. C'est mon mentor en fait. Ok. On vous a trouvé avec deux nounous, deux petits enfants. Ouais. Ils représentent quoi pour toi, tes enfants? C'est la joie, franchement. Quand je les vois, quand je rentre dans la maison où je vois mes enfants, j'ai l'impression que j'oublie tous les soucis. Il n'y a rien après en fait. Il n'y a rien après. C'est une source de motivation, voir ses enfants. Même si dans des moments durs et tout, tu es avec ta famille, tes enfants, ça fait que tu oublies tout ce qui se passe dehors, franchement. C'est une source de motivation de ouf aussi, la famille, mes enfants. Madame, celle qui me soutient, elle m'aide beaucoup, elle a passé beaucoup de moments difficiles aussi. Ouais, c'est mon amour. Des moments de blessure? C'est tout, les moments difficiles et tout, quand elle est venue. C'était pas ça et tout, c'était un peu, voilà, vite fait quoi et tout. Hein, là. Donc elle est venue, elle a, en fait, c'est comme si elle a, il y avait un vide, elle a comblé ce vide et tout. Elle m'a beaucoup soutenu. Franchement, je remercie Dieu pour le fait de me donner une fille comme elle, une femme comme elle, excuse-moi et tout. Voilà, franchement, c'est une bénédiction et tout. Tout ce que j'ai, c'est une bénédiction et encore elle est venue, c'est une bénédiction. Ouais. Ton passe-temps? En Guinée, ici, en vacances. Hein. Que ce soit en Guinée. Bon, la plupart du temps, quand je vais en Guinée, bah, j'essaie de voir mes amis et tout. Okay. Parce que tu sais, mes amis, ça me rappelle mon enfance. Okay. Quand je vois mes amis, d'autres prennent que les amis profitent de moi. C'est moi qui profite d'eux parce qu'ils me rappellent mon enfance et tout. Ça, tu ne peux pas l'acheter. Quand tu vas à un nouveau ou voilà, tu n'es pas tes amis. Des fois, si tu n'enlèves pas cette barrière qui est entre eux, tu ne viens pas vers eux, c'est un peu difficile. C'est difficile. Ouais. Ouais, parce que souvent, voilà, tu peux avoir les épaules, tu te prends et tout. Mais ça, c'est vrai. Faut aller vers eux, tu vois. Des fois, je les taquine. C'est pour ça que je les taquine. Nous, en notre temps, nos parents, le football n'était pas comme ça. Mm-hmm. Les parents nous donnaient, il fallait étudier. Les parents, le bac, le brevet, il fallait avoir ça, quoi. Ils n'étaient pas concentrés. Mm-hmm. Moi, mon père, je jouais, j'avais le temps là. Mais mon père ne prenait pas le temps pour aller me voir. Des fois, je venais de poser cette question. Ah, papa, moi, j'ai un match. Pourquoi tu... Alors que lui, quand je jouais en famille là-bas, mm-hmm. vous savez, nous avons une grande famille où on joue les jeux de salon. Mm-hmm. Des fois, je le prends, je l'envoie, je l'assois, il regarde mon match. Je le prends. À l'endroit aussi, on descend au bord de la mer, je lui donne les applications au football. Je commence avec lui les passes de gauche à droite parce que moi je joue de gauche à droite. Je cherche à tirer 1, 2, 1, 2. C'est ce que je veux faire à mes petits-fils aussi. Djouma, Djouma, je vais commencer à l'apprendre de gauche à droite. Ouais, faire de lui le futur Messie. Voilà. C'est un peu facile pour moi parce que quand tu parles à un enfant, qu'il t'écoute, il obéit à ce que tu lui dis, déjà c'est un acquis. L'hygiène de vie. C'est un sportif. Si vous voyez, moi je me bats pour qu'il m'envoie souvent. Je vais pour le contrôler là où il est. Je suis tout le temps auprès de lui. Je passe des mois et des mois auprès de lui pour voir comment ses mouvements va et vient après le sport. Je suis là-bas. Puisque si madame, par exemple, est à Conakry, je fais une complicité, moi je vais là-bas. Si des fois, moi je suis là, je dis madame, ne restez pas, allez, partez là-bas. Tout ça pour qu'il ait une bonne hygiène de vie. Pour que dans le championnat là-bas,
il puisse être l'homme fort. Quoi. Ouais. Tout ça, c'est l'encadrement. Il est loin de moi, mais c'était comme s'il était à côté de moi. Parce qu'on parle au téléphone tout le temps. À chaque instant, on est au téléphone. Donc, c'était comme s'il était à côté de moi. Comment il est avec vous? Bah, il est très gentil. C'est quelqu'un de bien. Doux, tendre? Oui. Impulsif, des fois? Non, même pas. Le plaisir que j'ai, me fait une fierté de le voir jouer et étant en bonne santé, représentant sa famille. Quand je le vois tout petit, jusqu'à son âge, il n'est pas malade, il est bien portant. C'est dû au mouvement qu'il fait. Et je suis fière là où je suis de lui. Ma joie aujourd'hui, je ne peux pas vous l'expliquer. Un bébé que j'ai pris dans la main, qui est à côté de moi, il a ses mains autour de mes reins. C'est une fierté inébranlable. Et voici un enfant. J'ai élevé beaucoup d'enfants. Mais il est né sage. Se battre avec son copain, jamais. Né fiant. Et vraiment, il ne troublait personne. Jusqu'à son âge, je n'ai pas vu ce dernier se bagarrer avec quelqu'un. Quand il était toujours auprès de moi. Et je l'ai formé selon mon vœu. Lui, il est le résumé de tout ce que nous aurions raté au préalable. Il a posé des actes qui ont fait que le football, dans toute sa dimension, dans toutes ses splendeurs, nous sommes satisfaits. C'est un répondant. C'était un problème pour nous. Moi, j'ai fait le football ici et ailleurs, en carrière internationale, mais parents pauvres. Alors que lui, il a fait le récapitule, un condensé en 10 ans. Donc ça, c'est pour moi un réconfort moral. En fait. Voilà, il est la synthèse de tout. En tout cas, merci. Merci pour l'accueil et pour l'entretien surtout. Ouais, mais le plaisir a été pour moi. Mesdames et messieurs, voilà comment nous arrivons au terminus de cette nouvelle représentation de votre émission Tout Foot sur l'Espace TV. C'était une immersion, oui, exceptionnelle avec un autre invité de prestige, Guy-Michel Landel, international guinéen. Vous avez vu ces échanges fructueux avec notre invité, avec le papa, avec la grand-mère, la spécialiste des tout-petits, avec madame, avec ses enfants. Ce fut un plaisir très exquis de vous avoir servi. Je vous donne rendez-vous lundi soir à la même heure sur les mêmes antennes d'Espace TV. Mais d'ici là, je vous souhaite de passer une excellente soirée en programme, en compagnie des programmes de la télé d'une autre planète. Merci à Mohamed Bangoura, le réalisateur ingénieux qui était à mes traces, à mes chevets, pour réaliser ce tout numéro exceptionnel. Prenez soin de vous, où que vous soyez. On vous aime. Le Tout Foot, Paul Fatia Toumkara.